attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Salut tout le monde, ici Sonic Sound Power, plus connu sous le nom de Sonic. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 40e épisode du S-Tron de The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est parti les enfants. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai enfin trouvé le moyen de mettre ce putain d'épisode en 1080, cette putain de record en 1080p. Bon, évidemment les fichiers vidéo durs pèsent beaucoup plus lourd, mais ce n'est pas grave. Augmenter la qualité de mes vidéos ne peut faire que du bien à ma chaîne. Enfin, si tant est que vous vous intéressiez davantage à cette série. De toute façon, quand Breath of the Wild sera terminé, je pense que Castlevania Lords of Shadows 2 sera toujours en cours. Putain. Putain. Oh, une épreuve Korogu. Allez, à bout de la noix. Non, d'une feuille, tu m'as trouvé! À la voyure? Oh putain, 13! Faut que je me dépêche de compléter avec un 14 dans les 14 premières minutes de jeu. Je suis bien dans la merde, moi. Allez hop, direction. C'est moi que nous connaissons tous très bien. Donc, la dernière fois, nous en étions à 29 au pal brut. Signifie qu'il nous en manque encore 16 avant d'atteindre le nombre nécessaire pour améliorer la tenue Zora à 100%. Et ensuite, il faudra chasser 30 les Alphos. Enfin, disons plutôt 60 parce qu'ils ont une chance sur deux de laisser drop leur queue. Out of my way, bitch. Ah, une lune de sang, parfait. Ça va faire ripop les Magrok. Je vais pouvoir aller leur péter la gueule. Est-ce qu'il y a du minerai là? Ça ne coûte rien d'essayer. Oui, juste là, bien planqué dans le noir. Et ce n'est pas le minerai que je voulais, mais c'est pas grave. Si, c'est grave. Ah, voilà. Pourquoi il t'en manque encore 7, Sonic? Eh bien, pour ceux qui dormaient au fond, je rappelle qu'il nous faut 45 unités de d'opale brute pour pouvoir améliorer la tenue Zora à 100%. Et je vois plus la ligne de sang, où est-ce qu'elle est? Lune de sang dans une région volcanique. Oh putain.
putain, ça devient... Oh putain, ça devient carrément sinistre. On se croirait au château de Bowser. Parfait. Merci, une bonne petite lutte de sang, ça permet de remettre les... de régénérer les magrocs. Ce qui est très bon pour mes affaires, personnellement. En espérant que cette fois, il me drop davantage d'opale brute que du rubis. Ah, voilà. Non, ça je m'en fous, faut la garder, celle-là. Hein. Paf, paf. Un petit moment dans les bains histoire de recover toute notre énergie vitale. Allez, guéris-moi s'il te plaît. Ouh. Et hop! Du diamant brut, mais moi c'est de l'opale que je veux, connard. Vous savez quoi? Si passer la tour, on ne trouve rien. Bonjour! Ah voilà. Salut mon gros. Ah merci Révali. Oh putain, c'est quoi cette empreinte de pas gigantesque là? Ouais, c'est bien l'empreinte d'un théropode. J'ose pas imaginer le... Oh putain, j'ai capté. C'est une empreinte d'Ordrak. Donc il ne fait pas que voler, il peut aussi marcher. Ça, je demande à voir. Non, je me... Si, si. Oh, je sais pas, Ordrak ou pas. Même si je... Oh oh. Ce n'est pas parce que tu m'as vu que ça va te permettre de me tuer, crétin. On va essayer. Raté. Il n'arrête pas de bouger le fumier. Hein. Non, raté encore. Encore raté. Tu fais ça, Link. C'est pas compliqué quand même. Crush Counter. Parfait. Ben voilà. Oh non 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 non. Ah mais si. Ah mais si. Ça va aller tout en bas pour bien me casser les couilles. Mais l'avantage, c'est que ça me permet d'en identifier un deuxième.
dont j'ignorais jusqu'à présent la localisation. Allez, un boulon de plus ou de moins. Allez, hop. Qu'est-ce qu'un champion armement fait? Comment un champion armement pourrait-il pousser ici? Allez, hop, on allie justement. Ça a ravagé, rechargé, que je sache. Merci bien. Je crois, il me semble qu'il y avait, oui, du minerai précieux. Parfait. De l'opale brute, parfait. Bien. Plus que 15, les enfants. Plus que 15. Alors, allons nous occuper des Magrocs. De toute façon, on n'a qu'à suivre résolument la route, en fait, pour y arriver à celui-là. Hein. Salut, mon gros. Vas-y, crache les flammes, je t'attends. J'en ai rien à branler, j'en ai rien à branler, j'en ai rien à contrebranler, tes flammes à la compéter, voilà. J'en ai strictement rien à foutre. La seule chose qui pourrait me blesser chez lui, c'est son espèce de katana, là. Mais à part ça, il est complètement inoffensif. Bonjour. Voilà, on approche de la zone du Magrock. J'espère qu'il est toujours là. Enfin, qu'il a ripop avec la lune de sang. Sinon, je risquais d'être très fâché. Tiens, une seconde. Est-ce qu'il y a des armes sur le point de se briser? Non, il n'y en a aucune. À bout portant, le fumier. Loupé! Ah, il a régène, parfait. Et j'ai toujours ce qu'il faut. Allez, mon gros. Lève-toi, que je te gèle. Ah, même. Allez, hop! Hop là, on monte. Ouais, on va éviter, c'est bon. T'es arrivé à faire quoi là? Là, voilà, il est mid-life. Link cesse de faire le demeuré. Allez, encore un coup, c'est fini. Moi. Parfait. Voilà. Voilà, on est sympa avec moi, là. Là, ça me respecte. Allez. Bien. Autour de celui-ci à présent. Et on ira redéfoncer les Lithorocs, hein, histoire de faire bonne mesure. Hein. Alors, le cheval a différentes allures. Le pas, le trot et le galop. Lorsqu'il galope, il peut accélérer son allure jusqu'au grand galop. Faites-le accélérer avec A et le ralentir avec L inférieur. Très bien. Parfait, les gars, parfait. Dakaka. Ça, je m'en fous hein, du gisement. Moi, pour l'instant, c'est le... Enfin, non, je m'en fous pas tant que ça. C'est le Magrock, surtout, qui m'intéresse. Il a ripop. Oui, il a ripop. Parfait. Salut, mon gros.
Alors ta barre de vie, s'il te plaît, que je te visualise. Voilà, paf. Oh putain. Oh putain. Raté. On balance une bonne grosse explosion. Et hop là, je t'enfroidis direct. Eh, hey, connard Vas-y, et hop là. Et hop. Et voilà le travail. Parfait, 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 parfait. Tout ceci est parfait, les enfants. Ouh, plus que deux, les enfants. Plus que deux d'opales. Allez, encore le Litorog d'ici et je pense que ce sera bon. On aura toutes les opales qu'il nous faut. C'est parfait, les enfants, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Quant à toutes les autres pierres précieuses, on ira les vendre au village Goron. Et ensuite, ce sera direction la chasse aux les Alphos. Il nous en faut 30, hein. 30 que de les Alphos. C'est des Alphos normaux, hein. Pas des Alphos de foudre, de glace ou de feu, hein. Non, normal. Alors, tous les Alphos classiques qu'on croisera, hein, on leur pètera la mouille. Oh putain, c'est vrai, j'avais oublié ce passage. Toc toc. Voilà, merci beaucoup. Alors le Magrock, où est-ce qu'il est? Bah justement. On lui fait face, c'est parfait. Allez, glide. Allons lui péter la mouille, histoire d'en finir avec cette chasse à l'opale. Où est-ce qu'il est? Là-bas, je le vois. Il serait temps que je change d'arc. Ah mais il a plus de durabilité, donc ça pourrait aller, mais... c'est au cas où. Allez mon gros, lève-toi. On se lève. Ah, glac. Et hop. Une fois que t'as compris la faiblesse du machin, hein, c'est extrêmement simple. Oh. Ah, oh, oh, oh putain, il m'enchaîne avec un shuriken, le connard. Non, 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 tu ne te rallumes pas. Allez, cette fois, on en finit. Et hop! Plus qu'un, plus qu'une. Allez, balance. Parfait, les enfants. Parfait, parfait, parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Bon, maintenant, on paramètre le truc sur rechercher les Alphos. Et de... ouais, voilà, paf. Parfait, les enfants, parfait. Alors, direction le village Goron.
pour aller vendre toutes nos autres pierres précieuses, autres que les... que nos opales brutes, et ensuite c'est direction Chasseau et Alphos pour prendre les 30 queues de lézard dont nous avons besoin. Bon, je sais qu'il y en a une que je peux acheter à l'Oasis Gerudo, ça je le sais. Et hop là! Bonjour monsieur! Jette-moi un truc. Putain, 51 que j'en ai! Parfait! Oui, je veux. Ensuite, je te vends tout ceci. Oui, je veux. Ensuite, 7 rubis bruts, ce qui me fait 1470 rubis, d'accord. Et enfin, 10 saphirs bruts, ce qui me fait 2600 rubis. Je veux. Allez, vendons ces queues de lézard dont nous n'avons pas besoin. Voilà. Hop là. Je veux. 1, 9, 9, 8, 9. Oui. Maintenant, il me faudrait un truc qui ne vaut qu'un rubis. C'est trois rubis minimum? Non, c'est le minimum est passé à 2 rubis maintenant. Je comprends pas pourquoi l'effet ça vaut que 2 rubis. Bon, c'est pas grave. Donc on tire quand même bien avec 19 999 rubis. Bien. Maintenant, direction... Alors là, paf, s'il vous plaît. La tenue du Knight of Zora. Direction par ici. Ah bah t'es, je voudrais aller par là, moi. D'abord, aller ici. Voir s'il y a quelque chose dans ce lac. Allez, téléporte. Je confonds la télécommande de la télé avec ma souris maintenant. Et en seulement 20 minutes. 20 petites minutes, c'est parfait, les enfants, c'est parfait. Ah. T'avais pas dit que tu irais affronter les autres titans, hein, Xanix? Oui, on le fera. Mais ce sera un petit plaisir, une petite détente. Hein. D'abord. Ah oui, et j'oubliais, normalement tous les monstres devraient avoir Rip-Hop eux aussi. Ce qui est une très bonne chose. Mais non, pas ce bouclier là, connard. Oh. Je peux me marcher sur les pics. Bonjour messieurs. Allez paf, une bifle en plein vol. Et boum.
Et merci pour l'arme. Hein. Boum, allez hop. Oui, une queue, parfait. Bien. On en a une. Plus que 29. Et boum. Alors, des queues, on en a combien? 2, parfait, plus que 28. Alors, occupons-nous, modifions en recherche pour les alphos bleus. Je vois bien qu'il y en a un droit devant. Eh, oh putain. Oh putain. Le petit coup de pute. Le petit coup de pupute. Banzai! Allez, paf, la biffe en plein vol. Hop, oh putain. Putain, il a mis 35, ce connard. Allez, bam. Merci pour ton arme. Il me fixait que lui ou pas? Non, seulement ses griffes. Ah merde. Mais au moins ça le tue. Et il me donne sa queue, c'est parfait. Plus que 27. Le truc où je voulais aller, oui c'est par là. Je gère clairement pas ce qu'il faut pour y aller. Bah alors, il ouvre ton les alphos verts. Ah non, les alphos bleus, il est là-bas. Ouh, connard! Viens te battre! Banzai! Et bam, dans la gueule! Où est-ce qu'elle est? Ah voilà! Et paf, une baigne! Et toujours rien de nouveau! Alors je sais qu'il y en a un qui a fait son camp là-bas. Allez hop! Le saut de la grenouille! Parce que clairement on aurait dit une grenouille comme ça. Oh putain, je sais. Je vais pas la colorier en jaune, je crois que je pense que je vais la colorier en vert. Oh putain. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait un connard de les alphos argentés avec eux. Alors, les alphos argentés, t'es gentil. Les dégâts critiques sur l'argenté. Allez vite, on se met en protection max. Non, toujours aucune queue. Putain, ils se sont mis dans la flotte à l'endroit où je ne peux absolument pas les toucher. Allez vous faire foutre. Sors de la flotte, espèce de lâche. Sors de la flotte, qu'est-ce que t'attends? Viens ici. Voilà, il est gentil. Thank you.
fait comme ça. Allez, on passe en mode full attaque. Crève, bordel de merde. Putain, évidemment, je me retrouve sans armes maintenant, on va te faire foutre. Heureusement, il me reste encore un. Mais crève, nom de Dieu. Mais putain, l'enculé. Putain, mais ils sont ultra résistants, ces enculés. Bon, au moins, je récupère ce que je voulais, c'est-à-dire sa queue. Bah alors il est où mon lézard bleu? Ah, dans la flotte. Évidemment, Révali est en panne. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Oh, c'est vrai, j'avais oublié que je n'avais pas le droit de tirer de flèches explosives quand il faisait, quand il pleuvait, fait chier. Là-dessus, connard. Mais le bâtard de... Mais le bâtard de ses morts. Et en plus, il me fait rester là où je suis. En mode, non, t'as pas le droit. Crevez. Ah, le fichier électrique, j'avais oublié. Le fichier électrique, c'est terminé. Comment j'ai pas pu savoir? Que je regarde. Non, ce sont les queues de les alphos qui m'intéressent. Oh putain, Nedrak! Oh, j'y crois pas, au ras du sol, vraiment. Il est où ton connard? Je le vois pas, moi. Ok, tenue de Zora, s'il vous plaît. Ça va plus vite, ça permet d'attaquer et ça consomme pas plus d'endurance. Ouh, ce connard. Et pas fin turbo max, merci beaucoup. Du minerai est difficile de résister, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, mais... Sers-toi de marrage quand tu veux. Merci Révali. Ha!
Mais ils sont où vos putains de... Ah d'accord, au beau milieu de la flotte en fait. Bon, au moins je sais comment les tuer cette fois. Allez, sonne de choc. Voilà, crevé. Et encore des queues, c'est parfait, merci. 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 Bah alors, ils sont où? Parce que moi j'en vois pas un seul là. Ah, tout de même. Et heureusement, celui-là est très près de moi. J'ai juste à glider un petit peu. On va attendre qu'il revienne. Voilà. Bonjour. Et merci. Alors on en est à combien niveau que? Très bien. Alors, des bocaux installés sauf que j'en ai rien à foutre. Hors de ma vue. Ils sont où? C'est bah, il est où? Pas moi, vos. Ah! Là-bas! Je vais utiliser un rack de rivalité, mais non, ça aurait été gaspillé. Et hop là! Pas de queue cette fois, c'est dommage. Donc apparemment ils aiment bien venir ici, c'est les alphonses bleues. Je note. Cette rivière là, entre le pays des auras et le et la montagne de la Mel, c'est le domaine des alphonses bleues. Très bien. On aurait peut-être dû aller à leur chasse avant la lune de sang en fait. Comme ça, ils auraient repop. On aurait pu revenir et chercher ici. Mais bon, que voulez-vous? Sonic, c'est complètement con. Oui, en voilà un. Voilà. Et une queue, c'est parfait. Oh putain, il y a Nedrak en plus. Parfait, ce serait idiot de ma part de ne pas en profiter. Oh putain, l'enculé. Alors bien entendu. Et je me demande si je touche avec 3 flèches. Oh connard! Bon. Voilà. Si je touche, voilà. Ce truc-là, là. Ah non, ça veut pas toucher. Bon, très bien. On va se contenter de sa peau. Complètement à l'opposé de l'endroit où je vais, moi, bien entendu. Pour que ce soit bien chiant. Donc il passe par ici le matin et le soir. Enfin, le soir, à 2h du matin, plutôt.
semble beaucoup affectionner cette région, Nedrak. Bon, j'ai vu qu'il y avait ça, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'écaille de Nedrak que je viens de viser, là. Où est-ce qu'elle est? Ah, là-bas. Et en plus, il y a des moyens d'avoir un truc de Korogu, là. On en a vu! La 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 Allez hop! Et en plus, il y a du minerai! Ça, c'est pas beau! Bon, une fois, tu m'as trouvé! Hop là! À la revoyure! Donc, ouais, là-bas j'en vois un. Flèche de foudre, s'il vous plaît. Et hop là. Hop là, s'il vous plaît, la tenue de Zora. Et je crois qu'il y a une queue. Eh oui, il y a une queue. Ce qui nous en fait 10, parfait. Plus que 20, les enfants. Plus que 20 queues de les Alphos. Et on pourra enfin améliorer la tenue Zora à 100%. Mais attention, ce ne sont que des Alphos bleus que l'on doit affronter. Parce que les Alphos classiques, ils ne dropent pas leur queue. Non, ils dropent uniquement leurs griffes et leurs cornes. Là-bas, c'est le monde de la foudre. Oh, et en plus, c'est un camp de les Alphos. Ok, va falloir la tenue anti-foudre. Enfin, anti-électricité. Tu dégages. Démange, nom de Dieu. On va prendre ça. Putain, l'arme qu'il utilise. Et encore une queue. Allez, on drop. Un de nos épieux, voilà, paf. Oh putain. Ça touche quand même, hein. Ça fait quand même un peu de dégâts. Où est-ce qu'ils sont? Ah, j'ai cassé ma lance du vieux bestial, mais c'est pas grave. On pourra toujours aller péter la gueule de quelques minels plus tard. Oh, et ça le tue lui. Il m'a aidé à tuer son pote. Ben merci. Ta grande gueule, voilà. Voilà, même pas le temps de se relever. Parfait, les enfants, c'est parfait tout ça. Une seconde. Vu qu'on les a tous butés, on va pas avoir accès au coffre normalement. À moins qu'il y en ait un autre dissimulé quelque part. Eh mais laisse-moi déployer, on va pas en voir l'enculé.
Et hop, I believe I can glide. Sont où les Alphonse Bleus d'après ce qu'il dit? Par là, ok. Très bien, je vous vois. Et boum! Et en plus, ils sont deux. C'est parfait pour moi. Oui, ça m'en fait 14. Plus que 16, les enfants. Alors, eux, je m'en fous. Ils peuvent me canarder autant qu'ils le veulent. J'en ai rien à péter. Ouh, ça, ça sent le piège, ce coffre là-bas. Je vais quand même vérifier avec ça. C'est pas un vrai coffre. C'est un machin bidule chouette rock là. Pourquoi je peux pas m'envoler? Allez, boum! À boum le fric. Et voilà! Juste le 1 qu'il me fallait. Merci! Bah, ils sont où? Parce que moi je vois rien du tout là. Disent que c'est par là. Oui, les voilà. Ah non. Ah non, le voilà. Il est tout seul. Et hop là. Et en plus il me donne sa queue, c'est parfait. Ça démange. Ah voilà. Et merde, je sais pas ce qu'il faut. Je pense que je peux viser au moins. Allez hop. Non, ça vise pas assez loin. Alors comme ça. Non, ça vise pas assez. Faut que j'aille de l'autre côté. J'ai plus qu'un cœur écart. Donc trois cœurs écart. Voilà, tu crèves. Tu me laisses faire mon cap. Allez, paf, bouffer ça. Il est encore en vie, lui. C'est pour longtemps, voilà. Parfait, les enfants, c'est parfait. Si on continue comme ça, on aura bientôt tout ce qu'il nous faut. Donc ici, c'est l'endroit parfait pour chasser le lézard fausse.
Oui, je te vois. Et là, quand est-ce que tu seras opérationnel, Revali? Dans 2.47, très bien. Tâchons déjà de nous rapprocher le plus possible de la proie. Allez, fire! Et un peu plus haut. Parfait. Ah non, ça lui a fait que des dégâts mineurs. Ah putain, il est résistant l'enculé. Ah tout de même, il est mort. On en est au niveau que parfait. Plus que 12 les enfants, plus que 12. On en est à combien dans l'épisode? Putain, déjà une heure. J'espère que j'aurai le temps d'atteindre tout ce qu'il faut. Hein. Alors vous savez quoi, peu importe la durée de l'épisode, hein, on aura la tenue Zora améliorée à 100% dans cet épisode-là. Puis dans le 41, on fera les 4 des nombreux sanctuaires qu'on a vus. Pour se prendre un 18e cœur. Révali, tu seras opérationnel quand? Voilà. Et ils sont deux apparemment. C'est parfait pour Mega Force. Et voilà, toi tu crèves et toi aussi. Et ils me donnent tous les deux leur queue. Bien, plus que 10 les enfants, plus que 10. Et on aura tout ce qu'il nous faut. Mais d'abord, reprenons un petit peu de santé si vous le voulez bien. Oui, les voilà. Révali. 1, 2, 3, 4. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Merci. J'ai justement besoin. Alors là, il va pas tarder à se briser mon arc de linel. J'ai pas intérêt à foirer mon tir. On va attendre qu'ils se réunissent. Vas-y, réunissez-vous. Prêt. C'est parfait! Et merde, évidemment, ça m'étouffe pas en un seul coup, allez vous faire foutre. Voilà, vous respectez. Et lui, il me donne pas sa queue, va te faire enculer. Apparemment, c'est les derniers les alphos du coin. Mais lui, il me donne sa queue, il est sympa. C'est parfait, les enfants, c'est parfait. Bon. Direction les flancs de la Zora. À la chasse aux les alphos bleus. Plus que 9, les enfants, plus que 9 et on aura ce qu'il faut. Parfait. Alors attendez que je me gratte un petit peu. Ah, ça casse les pieds. 20 000 rubis exactement. Ça le mérite d'être précis. Alors évidemment, on n'ira pas affronter Ganon tant qu'on n'aura pas absolument tout trop. Tant qu'on n'aura pas amélioré toutes les tenues au max. Ni agrandi la sacoche au maximum. Pour ça, je crois qu'il faut 500 noix Korogu. Oui, il y a du les alphos bleu à proximité. Oui, j'ai vu.
Méga drop. C'est quoi ça? Oh, ça c'est un truc de merde. Par contre, ici il y a un coffre que je ne vais pas refuser. Arc royal, merci beaucoup. On sait pas où qu'on les trouve. Ah voilà, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Bon là, lui il est pas dans l'eau donc ça servira à rien de faire comme je fais d'habitude. Donc on va simplement le geler. Voilà, elle est dead. Oh cool! Je voulais un de leurs katanas. J'ai assez de place? J'ai assez de place. D'ailleurs, je crois que je les ai pas en photo, eux. Officier Yigas. Parfait. Alors, en défense max, parce que il tape dur, on s'en souvient. Et boum! Ah, glac! Ah, il tape fort. Ah, Banzai! Putain! Ok, plus que deux coups et c'est réglé. Allez, je l'achève avec une batte. Et en plus, je l'ai envoyé prendre un bas. Ça, c'est pas classe. Et hop, à moi le katana 30. Oh putain! Il a tué répondant lui! J'en veux pas de ta branche d'arbre. Moi, c'est l'espadon de chevalier que je veux. Et il me donne pas ce que je veux. Allez, plus que 8, les enfants, plus que 8. Et il n'en détecte aucun, va te faire. Bon, remontons le long de la Zora. Finirons bien par trouver les alphos bleus dont j'ai besoin. Allez, slidons un peu sur bouclier, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Bonding gogo. Bien. Alors ça c'est un les alphos classique. Va-t-il accepter le... Non. Toi tu crèves. J'ai dit tu crèves. Mais tu vas crever, oui. Ah ouais, d'accord, carrément. Et hop. Alors marquons son emplacement. Moi c'est le Lesalfos bleu qui est à proximité qui m'intéresse. Bonjour mon gros, mais j'en ai rien à foutre de toi. Hop. Comment j'entends des tambours? Ah voilà. Banzai! Et voilà, c'est réglé. Ah oui, virons un de ces trucs. Hein. Hop là, paf, paf, ça, ça dégage. Je prends ma lance Zora à la place. Oh oh. Il y a de la foudre qui se ramène. Bon, c'est pas grave, le cas échéant.
Bon, toujours mettre le masque du tonnerre. Hein. Ouh, pitié les alphos. Bon, ça c'est un les alphos normal. Ah voilà, un les alphos bleu. Bonsaï. Voilà. Tu crèves. Et il ne me donne pas de coups. D'ailleurs, j'en suis où au niveau des queues? Yes, plus que 7, les enfants, plus que 7. Bonjour. Ah, d'accord, je veux bien, mais il est où en fait là? Je repars ici. Réveil, tu seras prêt quand? En 4022. Très bien, va te faire foutre. Tenue de Zora, s'il vous plaît. Ah mais c'est non, hein, tu ne vas pas par là, c'est illégal, c'est interdit. Putain, ce jeu qui t'oblige à aller par un endroit et pas par un autre. Arrête de faire le con et grimpe, bordel de merde. Mais enculé! Ah, il me fait passer en dessous de la pierre pour que j'ai pas le droit, pour me faire bien perdre du temps. Eh, dépêche ton cul, putain. Oui, dépêche ton cul, ça ne veut rien dire, mais je m'en fous. Il est où? Très bien, je vois, il doit être là-bas. C'est lui? Non, ça c'est un les Alphonse normal. De toute façon, je vais le tuer. Et boum! Et merci pour les perches d'Hyrule au passage, connard. Mais il est où, putain de merde? Il va falloir que je monte, c'est ça. Encore le coup classique du rocher pour te casser les couilles. Bon, alors ils sont où? Ok, ça c'est un les alphos classiques, sauf que je m'en fous, donc tu vas en enfer. Et au fait, au passage, tu me permets. Hop là, de. Ok, j'ai pas le droit de les jeter quand je suis en train de combat, doit te faire. Balance normale, s'il vous plaît. Allez, je veux un les alphos bleu. Oh, je m'en fous. Ah, toi tu m'intéresses en revanche. Oh, bitch! Et il m'interdit de. Cette longue épée de vertu est à moi, connard. Arrêtez avec. Avec votre foudre. Mais. Mais laissez-moi 2 secondes tranquille! La foudre n'aura plus aucun effet sur moi désormais, enculé. Crève.
Bah, il est où? Certainement pas lui. Allez, crève. On en est où niveau queue? Ok, plus que 6. Oh, il y aurait un lézard bleu par ici. Banzai! Oh, bitch! Qui t'a permis d'esquiver mon coup, des coups? Mais tu vas rester en place? Bah, tu crèves. Parfait, que les alphos. Plus que 5. Plus que 5. Ok, il n'en peut rien. Ah si, ça drop mais en retard. Non, il me reste encore une masse. Oui, il m'en reste une. Tu dégages. Espadon royal, je veux. Ah, je veux, je veux, je veux. Non, Shokto, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Bon. Le long de l'Azora. Direction la tour de l'Anel. Pour voir s'il n'y aurait pas d'autres les alphos bleus. Plus que 5, les enfants. Plus que 5 les alphos bleus à démonter. Enfin, 5 les alphos bleus à démonter qui nous donnent leur queue. Et on pourra enfin avoir cette armure au maximum de sa puissance. Putain, ça démange, nom de Dieu! Que je vois, attends. On en trouve où des alphos bleus? Mais non, ça je m'en fous de lui. C'est les alphos qui m'intéressent. Ah voilà. Dans le désert Gerudo, on en trouve aussi. Alors je vais voir par ici s'il y a aucun des alphos bleus qui traînent. Et s'il n'y en a pas. Allez, on fait un dernier tour dans la forêt. S'il n'y a aucun des alphos bleus, ce sera direction le désert Gerudo. Il y a de l'agitation de ce que j'entends. Mais pas de les alphos bleus, le radar n'en détecte aucun. Connard, laisse-moi monter. Ah, je vois, c'est l'allée des alphos, mais... Aucun d'entre eux n'est bleu. Désolé les gars, mais j'ai autre chose à foutre que de faire joujou avec des amateurs. Bon. Voilà, ici, on y va. On trouve les alphos qui se trouvent ici. On leur pète la gueule et on arrête. Alors, excusez-moi, je dois enlever le truc pour m'essuyer les yeux. Ah putain. Ah, il semblerait que j'ai froid. Fausse bleue, c'est par là que ça se passe. Ok. Attends, j'ai un bonus de résistance en plus sur cette épée. Oui, en plus, j'ai double truc de résistance. Putain, c'est trop cool. Oh putain, ils sont un sacré paquet là-dedans. Il y a peut-être même des chances qu'il y en ait un... Oh putain, oh putain. Il y en a un sacré paquet.
Allez, tous en enfer. Oh putain, il y en a deux. Vite, défense max, bordel de merde. Attends, je rêve ou j'ai déjà accès à leur coffre alors que je les ai pas tous tués. Trident Gerudo. J'ai pas assez de place. On va arranger ça tout de suite. Ça c'est bien une lance d'aura, mais ça vaut pas un Trident Gerudo. Ah ouais, clairement. Avec une attaque de plus 12. On the beach. On va ajouter ça à la puissance du truc barbare. Oh le connard! Venez par là, que je vous allume. Je veux pas descendre. Je veux monter, connard! Putain, plus qu'une. Parfait, on a tout ce qu'il faut, les enfants. Plus qu'à sortir de ce guépier, on les bute tous. Vos gueules. Toi. Eh hey, connard. Toi aussi ta gueule. Et toi aussi ta gueule. Alors, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de moi. Bien. La tenue de Zora, s'il vous plaît. Putain, bordée. Et putain, une tempête de sable! Pour bien casser les couilles! Comme par hasard, au moment précis où j'ai tout ce qu'il faut, comme par hasard, il y a une tempête de sable qui arrive pour m'empêcher de me téléporter. Non mais sérieusement, allez vous faire foutre là. Sérieusement, allez vous faire foutre. Provocation, ça c'est de la pure provoque, les enfants. Je peux me téléporter? Bien évidemment que non. Maintenant je peux me téléporter? Bien évidemment que non. Mais elle va rester là combien de temps, cette putain de... J'en ai ma putain de claque. C'est en mode j'ai pas le droit de terminer cet épisode avant l'heure. Le destin va jusqu'à décider des épisodes que j'ai le droit d'achever. Même pas le droit de décider quand finissent mes épisodes. Bonjour. Ah.
Non, on efface pas la balise, je veux toujours aller voir ce qui se passe là-bas. Passe la nuit à dormir, c'est l'occasion, rêver pour s'approcher furtivement et leur tomber dessus sans crier gare. Allez hop, on va améliorer la tenue au max, puis on ira au village de zéro pour vendre toutes nos autres pierres précieuses. Histoire d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette tenue. Puis enfin, dans l'épisode 41, voilà, on fera les sanctuaires. Hop, voilà. Oh, tu es revenu. Viens, montre-moi tes vêtements. Tel que tu me vois, je peux améliorer tes vêtements au maximum de leur résistance. Ça t'intéresse? Oui, vas-y. Bien, on commence par ça. S'il te plaît. Bonne baignade. As-tu apprécié mes compétences? Voilà, 20. J'ai terminé. Veux-tu que je m'occupe de notre vêtement? De quelles compétences il parle, Zonix? Vous savez très bien de quelles compétences je veux parler. Oui, vas-y. Et appeler Jean-Bier Zora maintenant, s'il te plaît. Approche. Et c'est reparti pour un tour. Jean-Bier Zora. Voilà, 20 de puissance, j'ai terminé. Peux-tu que je m'occupe de l'entraînement? Oui, vas-y. Et enfin le casque. Approche. Et hop, dernière fondée. Et voilà le casque Zora. Parfait. Oui, vas-y. On va voir qu'est-ce que je pourrais renforcer maintenant. Ça, à la limite, je m'en fous. Par peut-être pour le combat contre Ganon. De toute façon, j'ai pas assez pour tout. Des diamants, non merci. J'en ai pas besoin. Attends, une seconde. Ça me fait du 28 et ça... Passe de 4 à 7. Non, je pense pas que ça fasse plus que le truc de Darkonic. Non, c'est une perte de temps. Oh putain, mes yeux d'œil. Non, j'ai pas assez. Oh. Ne pars pas trop longtemps, d'accord? Reviens me voir dès que tu auras besoin de nouveaux vêtements. A bientôt! C'est parfait, les enfants. Voilà, on a enfin la tenue Zora au maximum. C'est parfait! Bien, allez, direction le village de zéro pour vendre nos pierres précieuses. Et ensuite... Panda! Et hop là! Salut petit! C'est un ami de chantier, c'est l'ami de mon grand frère!
Quelque chose, achète-moi un truc. D'accord, tu veux me vendre quoi? Eh bien, tout ce que j'ai en trop. Oui. J'en ai plus besoin des opales. Je veux. Hop là. Je veux. Et enfin, un rubis. Oui. On en est au niveau fric. Voilà, on a beaucoup. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ça vaut combien ça? 2000 rubis et moi je peux les vendre que 500, mais c'est une arnaque! Autant les garder pour moi. Attends, on va s'en servir. Le fric pour se racheter des munitions. Oui, je veux. Oui, je veux. Parfait, merci. On en est où au niveau flèche de bois? Et au niveau matériaux de gardien? On aura de quoi se payer des petites flèches archéoniques. On va se les payer maintenant. Comme ça, on est débarrassé de cette corvée des flèches archéoniques. Et on ira... on fera les sanctuaires dans l'épisode 41. Si possible... 8 sanctuaires. En commençant par celui qui est en orange tout en haut de la carte. Comme ça, ça nous fera pas 18 mais 19 cœurs. Ce qui fait que celui que nous rapportera Mipha sera notre 20e cœur. Allez, paf. Boum, balance s'il te plaît. Oui. Je veux. Et enfin un dernier. Ça je m'en fous, ça je m'en fous. Faut des armes antiques, j'ai pas assez. Bien. Paf. Plutôt comme ça, flèche de glace, voilà, Master Sword, parfait les enfants, parfait. Bien, les enfants, c'est donc la fin de ce 40e épisode du Let's True The Legend of Breath of the Wild. On a enfin complété la puissance max de notre armure Zora, qui nous fait une 60 de défense. On est prêt à aller péter la gueule de Varuta, donc dans l'épisode 41... On s'occupera de 8 petits sanctuaires. J'espère que ça vous aura plu. Allez, on sauvegarde. Et à ciao, bonsoir !